Parfait. Top. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve ce matin pour la pause active. J'espère que tout va bien pour vous, que vous allez bientôt terminer la semaine. Et on va mobiliser tout ça pour pouvoir faire bien finir la matinée, continuer sa journée sur une bonne lancée. Donc, je vous invite à vous lever, prendre de la place dans votre bureau et prendre l'espace. Et si jamais il y a un peu de bruit, vous entendez peut-être, ça va pas être très agréable. On a des travaux qui sont juste à côté, donc on va essayer de faire au mieux. Et si jamais vous m'entendez pas, je vais faire le répète fait si je vois qu'il y a trop de bruit. Voilà, on s'excuse d'avance pour le dérangement. Et du coup, vu qu'on parle du bruit, volontiers, si tout le monde peut bien vérifier de couper ses micros. Comme ça, on garde sur cette bonne lancée et tout le monde entend bien. C'est l'important. OK, pour commencer, nous, on n'a pas besoin d'élastique. Gardez-les proches de vous. Et je vous invite à venir monter les bras au ciel. S'allonger, on monte sur la pointe des pieds. On se grandit. On redescend. Et on vient tanguer de chaque côté, on vient chercher loin, avec les bras bien tendus au ciel. Si besoin, on peut garder les mains crochées. Pensez à bien chercher loin, on prend le temps de bien faire l'espace entre ses côtes. On vient mobiliser notre colonne. OK, et on relâche. Super. La suite, on pourra mettre les bras l'un sur l'autre, face poitrine, à la hauteur des épaules. Là, on ne les met pas trop haut, on les garde assez bas. Pas venir mettre des tensions. Et je viens tourner et mollir mon pied de l'accompagne. Je viens amener ma colonne à droite. Je vais essayer d'aller le plus loin que je peux. Et je viens chercher la rotation. On va hancher mon pied, twist, pour accompagner le mouvement. Et ça permet également de mobiliser, chauffer la hanche. On fait une dernière fois. OK. Et on relâche. La suite, on mettra les paumes de main qui regardent vers le plafond. Et prenez bien l'espace parce qu'on va venir ouvrir pour former un T avec le corps. Et on referme. On vient ouvrir. On referme. Quand j'ouvre, pensez à serrer vos omoplates et à garder les bras à la hauteur des épaules. On a une belle posture bien grandie. On regarde loin. Et grâce à ça, on vient chercher l'ouverture de la cage thoracique et à mobiliser les épaules vers l'arrière. Luttez contre cette position du bureau où elles auraient tendance à retomber. On fait une dernière fois. Et on relâche. Okay, on peut enrouler quelques fois ses épaules vers l'arrière. Le prochain, on pourra se mettre en équilibre sur une jambe. Si besoin, tenez-vous soit au bureau, soit à une chaise, car on va venir devant, tendre les bras, descendre. Et on remonte. OK, on pose sur le jambe. Je mets le poids sur l'autre. Et si tout va bien avec l'équilibre, on peut venir tendre les bras, tendre la jambe derrière. Et on remonte. Chaque fois, on vient inverser. Et la jambe d'appui est toujours bien fléchie. Si l'équilibre, c'est un peu compliqué, on n'est pas très stable. On n'hésite pas, on se tient à quelque chose et on ne tend qu'un seul bras. Pensez à venir chercher la longueur. On ne veut pas forcément aller haut, mais on veut aller loin. Le plus grand espace entre mes doigts et mes orteils. On peut serrer le centre du corps, serrer les abdos pour nous aider à être stable. On fait une dernière fois. Et on peut relâcher. Super. Je vous invite à prendre l'élastique rouge afin de pouvoir
pouvoir le mettre entre les mains dans les pouces comme ceci. On viendra essayer à la hauteur des cuisses. Bon de profil, pensez belle posture, hein. 2, 2, 3, les abdos serrés. Et je me réfléchis et je viens ouvrir, fermer avec mes mains en mettant de la tension dans l'élastique. Et on forme un arc de cercle. Je descends, je monte les bras. Je continue de faire un petit balancement en serrant les épaules vers l'arrière, en serrant les omoplates. Faisons un peu d'appui élastique en serrant dans nos mains pour être bien stable. On sent que ça chauffe bien les épaules, hein. En plus, on n'a pas l'habitude de surlever les bras au ciel. C'est bien de mobiliser vers l'arrière ses épaules. On fait une dernière fois. On redescend. Et on relâche. Super. La suite, on pourra garder dans les mains bien serrées. Et on reprendra celui-ci, vous le connaissez maintenant, qui est très bien pour la mobilité des coudes et épaules. C'est notre corsing en diagonale. Pensez à les épaules sont bien basses, bien loin des oreilles. Et on vient chercher loin. Et on revient avec les coudes chaque fois au centre, proche des côtes. On est compact et on vient étendre le bras. Bien tendre le coude. Et toujours hein, la posture. Je vous montre abdos serrés. Et on vient envoyer. On essaie vraiment hein, de ne pas faire des balancements avec le corps. C'est que les bras qui bougent. On isole vraiment cette partie. Une dernière fois de chaque côté. Dernier. Et vous pouvez relâcher. Top, bravo. On pourra laisser l'élastique rouge de côté et prendre cette fois-ci l'élastique vert. On viendra le mettre à la hauteur des genoux. Bon, je vous invite à passer l'élastique, passer les pieds dedans et on met hauteur des genoux au-dessus de l'articulation afin de ne pas nous mettre de tension dessus. Là, on vient au-dessus. Et bien sûr, on serre les pieds proches, on met le buste un peu en avant, on met le poids du corps un peu plus bas, vous voyez, je suis plus droite, j'ai descendu mon centre du corps. On peut mettre les mains sur les hanches pour garder le buste bien ouvert, pas se laisser aller dedans. Et c'est les genoux et les hanches qui vont venir s'ouvrir. Et là, on vient travailler l'intérieur des cuisses. Et on vient vraiment ouvrir. Et on sent ici, ça peut chauffer l'extérieur du fessier. On vient engager ce muscle, le contracter. Parce que quand on est assis, il ne bosse pas vraiment. Il est un peu tout endormi. Donc c'est important de venir le réveiller, l'engager. Pensez bien à votre posture, le dos droit. On le fait une dernière fois. Et on relâche. On peut se redresser. Et à partir de là, on viendra descendre à la cheville, élastique. On le met aux chevilles, pied largeur de hanche. Et depuis là, on viendra faire une extension sur le côté. Au lieu de venir derrière, ça sera ici sur le côté. Ma hanche vient se lever. Pensez, genoux fléchis, pieds stables. Les abdos serrés. Je peux regarder au loin. Et j'essaie de ne pas trop déformer mon corps. Mon tronc est solide. Et je viens chercher sur le côté en montant et en contractant mon fessier. Dernière fois, on relâche. Ok, on frappe de l'autre côté pareil, poids du corps sur l'autre jambe, le fléchis, et on vient en latéral
ouvrir notre jambe, notre hanche. Si besoin, appuyez sur le bureau, n'hésitez pas. Et surtout, gérer l'amplitude. Si ça tire trop, je vais moins loin avec mon pied. Si je veux chercher plus d'engagement, je vais chercher loin. Pensez bien, c'est sur le côté, en latéral. On n'est pas pressé, on pense à bien stabiliser ou à se tenir. Au besoin, on peut poser la pointe de pied à chaque retour. Dernier. Et on peut relâcher. Super. Là, on sent les cuisses qu'on chauffe, les fessiers aussi. C'est parfait, on mobilise tout ça. Et prochain, on pourra monter sur la pointe des pieds. Et on viendra se déplacer sur le côté. On peut aller en avant. Jouer un peu avec l'espace. À vous de faire. Vous gérez, je vais un peu devant, un peu sur le côté, un peu derrière, mais toujours sur la pointe des pieds. Pensez-y, les talons à aucun moment ne doivent toucher le sol. Et on se balade ainsi pour venir contracter et chauffer nos mollets. Pensez à le dos droit, abdos engagés, pas tendu trop vers l'avant et l'arrière. Le dernier. Et on peut relâcher. Super. On pourra laisser aller. En réactique. Et gentiment. Hop, on n'en a plus besoin. On peut le mettre sur le côté. Et depuis là, on pourra venir refaire une rotation. Mais cette fois-ci, les mains sont ici. Et on vient. Inspirez, soufflez, et je descends vers mon coude, je souffle, souffle, souffle. J'inspire, je remonte. Ok. J'expire, je pars de l'autre côté. J'inspire, je souffle en remontant. J'inspire, et je souffle, souffle, souffle. Vous allez chercher que mon coude vienne à l'opposé de mon genou. Et je souffle en remontant. On inspire et on expire en descendant. Je viens chercher le point de rotation de la colonne. Je remonte, j'inspire et je souffle en descendant. On va chercher loin. Super, je remonte. Et on peut relâcher. On laisse tomber les bras. On pourra venir enrouler notre colonne. Donc, je viens monter mon sternum, descendre gentiment en enroulant chaque vertèbre. On laisse la tête retomber, descendre. Aller vers les orteils. On laisse tomber les bras. Son ballon le vide. Il se fait avoir par la gravité. La nuque aussi, ça relâche les cervicales, les trapèzes. Parfois, on a des tensions devant l'ordi. Et je remonte tout gentiment en posant mes mains sur les cuisses, en déroulant d'abord les lombaires, les vertèbres thoraciques. Et je finis par les vertèbres cervicales. Et on pourra venir inspirer, monter les bras au plafond et je viens souffler, tout relâcher. Ouais, ça ne va pas. Je remonte. J'inspire, on fait partir toutes les tensions, je relâche, je laisse aller. Et on descend. On le fait une dernière fois, on inspire. On prend tout cet air et les tensions et on relâche. On laisse partir en bas. Restez un peu la tête contre en bas. Et on pourra remonter de nouveau tranquillement, déroulant nos vertèbres. Et on descend aller. On respire et on peut se féliciter pour avoir bien bougé ce matin. Bravo pour la pause active. On se donne rendez-vous mardi à 15h15 pour la suite. Je vous souhaite une toute belle journée. C'était Pauline et Flavia qui vous accompagnent sur ces pauses actives. Toute belle journée.
journée et d'avance. Je vous souhaite un bon week-end. Bonne journée. Pareillement, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.